Bon, pour le firmware du RT90. Alors, poste éteint, vous débranchez le cordon d'alimentation. Deuxièmement, vous enfoncez le bouton orange et P1 que vous maintenez enfoncé. Vous rebranchez le cordon d'alimentation. Là, le poste va se mettre à clignoter au niveau de l'écran LCD. Donc, suite à ça, vous allez charger dans OpenFill Upgrade, vous allez charger donc le fichier binaire qui sert à upgrader le poste. Là, je vais rechercher le fichier pour upgrader dans mes documents. Voilà, il doit être par là. Donc, le fichier s'appelle RT90REC-D0505 binaire. Donc, on le charge. Voilà, là, il est affiché dans le OpenFill Upgrade. Et là, maintenant, on clique sur Download File Upgrade. Donc, ça va l'envoyer sur le poste. Alors, tout ça se fait avec le cordon USB, le port com USB là, qui est fourni avec. Donc, la petite barre de Download Boot va se mettre en vert. Ça va monter. Au bout d'un moment, le fichier va apparaître une étiquette comme quoi l'upgrade du firmware s'est effectué. Donc vous cliquez sur cette vignette-là. Donc là, vous prenez votre cordon d'alimentation du poste, vous le débranchez sans rien toucher d'autre. Vous débranchez le cordon. Et vous rebranchez le cordon à nouveau. Et là, votre firmware sera validé dans votre poste. Voilà, ça c'est la manipulation.